Mon gars, ça va ou quoi? Ça va et toi? C'est avec qui moi? On est là, non? Ouais, on dit quoi? Bon, oh, spécial, on va comme d'hab, hein. Ça tombe bien que tu sois là en plus, toi. J'étais en train de regarder le clip. Ah, ok, si, si. Mais t'as vu, là, aujourd'hui, je suis pas venu pour parler du clip, t'as vu? Parce que bon, ok, c'est vrai, le montage, on l'a vu, on a regardé de ça. Ouais. Mais t'as vu, mais il y a des choses que j'avais des questions à te poser parce que t'es comme toi, t'es mon pote, on est sauce, tout, y a pas de soucis. Maintenant, voilà, il y a des choses que j'ai vues sur internet, c'est des choses où je me pose des questions. Je pense que ça, tu peux peut-être m'aider à comprendre sur ces trucs comme ça, tu vois. Attends, ça m'inquiète ce que tu dis là, attends. Voilà, moi, c'est. Qu'est-ce qui se passe? Non, t'as vu, parce que là, je guettais des trucs sur internet aujourd'hui, t'as vu? Et voilà, tu sais, il y a des sujets qui sont un peu chauds et ces trucs qui reviennent assez souvent, donc. Comment ça disait quoi? Bah, tu sais, c'est comme d'hab, c'est genre nous, les Antilles, on les considérait comme des babtous. Pour vous, les keufs, tu sais, c'est toujours on est des vendus, toujours, ouais, c'est pas des vrais renois, il y a toujours un que truc, tu vois. Attends, mais toi, tu fais vraiment attention à ces choses-là, toi? Ah, tu sais, d'habitude, comme tu dis, d'habitude, moi, tu me connais. Moi, d'habitude, c'est des trucs qui me touchent pas vraiment, mais après, quand tu vois que c'est les années à passe, ça bouge pas. Et voilà, au bout d'un moment, tu te poses des questions. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il y a pas mal de clichés du côté des Africains, comme des Antillais, vice-versa, etc. Mais moi, je pense que c'est plus dû au manque de connaissances, en fait. Si les gens, de base, étaient plus, on va dire, connaissaient leur histoire, tu vois. Je sais pas si tu connais, t'as déjà entendu parler du panafricanisme? En gros, c'est notre idéologie de défense identitaire. Et elle a largement été alimentée par les actes des Caribéens. Non mais sinon là ça vient d'où tout ça? Parce que tu vois moi ça doit faire 2-3 ans, je vois les gens ils se promènent tous en dashiki, on est tous là, on est tout chaud, y a pas de problème et tout. Jusqu'à t'as l'impression, moi j'ai grandi dans les années 80, mais t'as l'impression maintenant être africain c'est à la mode en gros, tu vois. Ouais, bah je vois ce que tu veux dire, bah en fait ça remonte hein. Depuis les luttes esclavagistes, en passant par l'indépendance d'Haïti, tout ça l'ouverture de Saline, les revendications du Back to Africa de Marcus Garvey, les militantismes socio-américains, avec Malcolm X, Martin Luther King, le Black Panther Party, la culture Rastafari, tu vois, Bob Marley, les artistes, etc. Tupac, tu vois, pour le hip-hop, etc. Donc ça remonte vraiment, tu vois, on peut vraiment dire que le mouvement panafricain, il a vraiment été alimenté par les actes des Afro-Caribéens. Et en plus de ça, on le doit à un Trinidadien qui s'appelle Henry Sylvester Williams, tu vois, pour te dire. D'accord. J'avoue, quand tu dis ça comme ça, on dirait les Antilles, en fait, on a grave fait plus de trucs, hein. C'est vrai que la dernière fois, j'ai vu un reportage où on nous disait que tout ce qui était sur le créole et tout, ça sortait un peu des dialectes africains de ça. Ouais. C'est vrai que je me suis posé quelques questions, mais c'est vrai que quand j'entends ça, je me dis qu'en fait, on était chaud, quand même, quoi. Bah ouais, c'est grave ça, en fait. Le créole, à la base, tu vois, c'est une langue qui a été inventée par les esclaves, on sait, tu vois, pour pouvoir communiquer entre eux. Ouais. Tu vois, ils parlaient des langues africaines, ils ont dû communiquer entre eux. Mmh. Et après, à force de côtoyer le colon, eh ben ils ont mixé avec le français. D'accord. Tu vois, et c'est pas l'inverse. Ok, ouais, effectivement. Même vis-à-vis des autres terres de déportation, tu vois, c'était le même processus pour le créole espagnol, pour le créole portugais, pour. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est grave ça en fait. Ouais, je vois même le gros cas, le carnaval, ce qui paraît, ça vient avec vous en fait, de tout l'héritage africain qu'on peut avoir. C'est un peu même pour la spiritualité, tout ce qui est Rasta, tout ça et tout, ça vient un peu de là, le vaudou, tout ça et tout comme ça, quoi. Bah, exactement, en fait, pour faire simple. Tu vois, la grande figure du mouvement Haïlé Selassie, Rastafari, ouais. Ben, pour lui, on ne peut pas être Rasta si on n'est pas africain. D'accord. Ça, c'est la base. Tous les Rasta, ils sont donc liés automatiquement à cette philosophie partout dans le monde. Rends-toi compte, pour rester en Éthiopie, qu'en 1897, le général de l'empereur Ménélique II, c'était un Haïtien, du nom de Benito Sylvain. D'accord. On le voit bien dans toutes les diasporas afro, ce que l'Afrique apporte encore à l'échelle mondiale aujourd'hui, que ce soit au niveau culturel, politique, économique, l'Afrique elle se vit pas aujourd'hui sur son continent, elle s'exporte, elle se célèbre, elle se renouvelle hors de ses frontières et elle cesse d'enrichir son patrimoine culturel. D'accord, en gros, ce que tu veux dire en gros c'est pas le fait d'être né en Afrique, en fait c'est plus la culture en fait qu'on partage ensemble qui fait qu'on revient des mêmes racines en gros, c'est ça? Exactement, t'as tout capté mon gars. Aimé Césaire il a fait son cahier d'un retour au pays natal en vivant en Martinique. Marcus Garvey il a enclenché le Pacto Africa et il n'est même pas arrivé sur le sol africain. Mon grand rival, Webb Du Bois, il a fini ses jours au Ghana. Mm-hmm. Stokely Carmichael, ancien Black Panther, il s'est renommé Kwame Touré et il a épousé Myriam Makeba. Donc tout ça pour dire que qu'on soit africain, afro-caribéen de la diaspora, on n'a jamais cessé de se connaître, de collaborer et de s'aimer en fait. Manière, il y a tellement de trucs à dire en fait sur le sujet, tu vois, bon, on va passer des heures, frère. Depuis tout à l'heure, je vous entends. Bien quoi? Ouais, mon gars. Bien quoi, mon gars? Depuis tout à l'heure, je vous entends. C'est ouais. Très intéressant tout ça, mais là, je vous propose, il fait beau. On descend en bas, on continue les bas. Vas-y, on y va. Vas-y, on comme ça. Vas-y, mon gars. Voilà les amis, donc c'était la deuxième de la chronique On dit quoi les frérots. J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager, à liker la page fan Collectif aux Arts, à envoyer des questions en inbox
Si vous avez des idées de thèmes aussi, n'hésitez pas. Et une petite pensée pour ce qui se passe en Guyane en ce moment. On est avec vous les frères. On tient bon.